Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 30e épisode de notre série en Normandie, toujours avec le roi Roland le Confesseur, qui a maintenant 64 ans. Je pense qu'il va bientôt passer le flambeau à son fils Roland. Son fils... Et ben Roland, du coup, qui s'est remarié, visiblement. Alors, je sais plus pour toi, il me semblait que j'avais fait en sorte de restreindre son mariage. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. Tant mieux, il a 31 ans. Bon, il est anglais par contre. Ouais, ça me plaît un peu moins. Mais bon, on essaiera de voir tout ça. Lui par contre, il faudrait lui assigner tout de suite un tuteur. Un tuteur à notre cours qui pourrait s'occuper de lui. Bah, je prendrais bien nous, mais on va sans doute mourir. Remarquez, ça se trouve. Ça se trouve, même quand on va jouer le personnage, ça va changer automatiquement le tuteur, je ne sais pas. Lui, il est bien, mais il a 60 ans. Ouais, j'ai pas forcément de très très bon tuteur. Hein. J'ai vraiment du mal avec les tuteurs. Hein. Je reconnais que j'ai une grosse faiblesse avec ça. Bon, on va dire qu'à 60 ans, ah non, il y a très très peu de chances qu'il arrive à s'occuper de toute sa vie de lui. Hein. Franchement, ça va être tendu. Ça va être tendu, tendu. Qui c'est qu'on pourrait prendre dans le tas? Pas toi. On va prendre lui, 40 ans. Il est pas terrible. Hein. Il est entêté, cynique, honnête. Ah, ouais. Bah, la tuteur, mais bon, elle est d'origine occitane, alors c'est pas terrible en fait, parce qu'elle va pas devenir normand, il va pas en devenir normand avec elle. Hein. Bon, on va prendre lui. Ouais, bof. Je suis désolé pour ce début d'épisode un peu merdique, je le conçois. Je le conçois. On va quand même prendre l'autre qui avait 60 piges, mais franchement, j'y crois pas trop. Hein. C'est pas lui. Non, c'est pas lui du tout. On recommence. On va prendre lui, il est bien normand, hein. Oui, il est normand. Allez. Donc voilà, allez, c'est reparti, on a une menace, on est à 9,5%, bon, ça devrait aller. On peut nommer des commandants. Alors oui, j'ai invité des gens à rejoindre la cour. Peut nommer donc des commandants. Toi par contre je t'ai invité, je vais exiger que tu te reconvertisses tout de suite, s'il te plaît. Voilà, le pack défensif est dissous, ça m'étonne pas. Bah oui, bien sûr que tu vas te convertir tout de suite, c'est normal. Alors, compétence 23, modificateur de combat. 5, on va prendre toi et puis on va prendre toi aussi. Voilà, les deux là. Qui c'est qui nous aime moyennement? Ah lui, il nous aime pas trop. Hein. Déclaration de guerre. Ah bah oui, je viens de l'annexer forcément. Il va pas trop apprécier. Mais on va aller jusqu'au bout. On va en faire le bouffon, tiens. Allez, hop. Faut bien qu'on ait quelqu'un de qui on se moque un petit peu. Hein. En tant que roi que nous sommes, moquons-nous. Oh, lui c'est un prince, on s'en fout. Ouais, bah allez, mettre des écuries. Et en grand veneur, on va prendre le baron. Allez, pourquoi pas, comme ça on nomme nos titres. On a encore le titre des chansons. Allez, au duc. Le conseil, ça se passe très bien. Voilà, alors, qui c'est? Ma nièce. Bah, notre nièce, elle va aller vers l'intendance, je pense, ou je sais plus vers quoi je lui avais dit d'aller. Non, non, vers le combat. Eh bah, continue d'aller vers le combat. Marie Villeneuve a formé un pacte. La duchesse de Norfolk. Très bien. Ça recommence, les pactes. Y a pas grand monde, hein, de toute façon, dans les packs. Dans les packs. Pas dans les packs, dans les pactes. Il y a du mal, hein. Nous contenterions volontiers d'un dimanche sur deux pour nous rendre à l'église, mais lorsqu'on ne le demande pas, le prêtre nous sermonne. Il va tout gâcher. Bon, alors, on va arriver à 5000 de prestige. On pourrait commencer à voir pour créer une lignée, mais de toute façon, bon,
on n'y arrivera pas parce qu'on va mourir trop juste. Pour ce qui est de ça, de rentrer dans un ordre et de devenir le Conversus, bon alors on m'a dit que déjà ça servait à rien, alors moi je voulais le faire pour le fun. Mais c'est quasiment impossible, hein, parce qu'effectivement s'il y a des moines ou des prêtres, bah ils ont des bonus de fou, ce qui fait qu'on peut pas le devenir comme ça, je pense que c'est un peu fait exprès. De toute façon on a quand même tous les bonus qui sont liés à ça, hein, donc... Donc de toute façon... Donc je vais remplir mes devoirs, il y a quelques monastères à proximité, où ils se réunissent fréquemment. Il faudrait que je crée, bah tiens, il y a déjà deux églises à Kent. Où c'est que j'ai déjà des territoires, où c'est que je pourrais construire le comté d'Evreux. C'est vrai que j'ai Evreux, et bah Evreux, on va faire une autre église, un autre temple. Allez, c'est parti, pourquoi pas. Je me l'avais demandé, puis bon. Je suis monastère depuis quelques jours, entouré par d'autres qui partagent ma passion pour Dieu, et pourtant je trouve toujours que je manque d'amis. Le Donatus, Robertat et moi semblons nous entendre assez bien. Cependant, peut-être que cela pourrait évoluer en véritable amitié si nous faisions quelque chose ensemble. On pourrait jouer un jeu de stratégie militaire, ça va me booster le martial, mais je m'en fous un peu, parce que mon personnage est devenu infirme. On va prendre la diplomatie. Alors, j'ai pas regardé si ça l'a fait, du coup. Si, voilà, parler de tout et de rien, plus de, c'est bon. C'est fait. Ouais, bon, il a pas trop apprécié. Voilà. Mon maréchal me dit que Arnald, un de mes commandants, s'est largement amélioré. Ah ouais, il a gagné plus 2. Alors comment ça marche dans ce cas-là ? Est-ce que si on met le curseur, ça explique ? Non, il s'est juste amélioré. Je pense que c'est sa formation qui s'est... Il a dû passer au-dessus, quelque chose comme ça. Dans les technologies, on peut investir dans les infrastructures nobles. Mais on va le faire. On va le faire... Et là, on va améliorer. Alors, la liste de joutes, on n'a pas assez d'argent. Le chantier naval, non. Le bourg fortifié, oui. Allez, c'est parti. Le duc Botolf a arrêté un homme armé avec une armure en piteux état et un cheval tacheté. L'homme prétend être un chevalier errant, mais le duc Botolf ne le croit pas. Donc on peut libérer le cheval errant. Le chevalier errant, ou c'est sûrement un bandit. Bon, on va faire ça. Allez. Pour gagner du prestige. Donc vous voyez, là j'ai 5000. Ah bah non, je ne peux même pas prendre... Faut voir le prix prospérer, ouais, on va le prendre, mais bon, ah bah non, je peux même pas prendre la lignée, rien du tout. Des démangeaisons de plus en plus intenses et les vives rougeurs que vous constatez alors sur votre corps vous inquiète. On a des rougeurs irritantes. Mon vassal, il est persuadé que j'ai la fièvre lente. Il a 26 d'érudition. Ma maladie était causée par un excès de rire. D'accord, donc en fait, il. Désolé, j'ai encore les prix. Il a interdit à chacun de vous raconter des plaisanteries. Il a porté des gros volumes ennuyés à dire. Et c'est un traitement correct. Ouais. C'est douteux comme traitement, mais enfin bon. J'en parlerai à mon médecin la prochaine fois que je le verrai, tiens. On pourrait faire un pacte de non-agression. Non, ils veulent pas. J'aurais bien aimé une petite alliance avec l'Aragon, justement, pour tomber sur la France. Prochainement. Mais ça a l'air un peu compliqué. Il faudrait faire une... On va faire des mariages en fait. Je peux pas arranger des fiançailles entre lui et une de mes filles. Ouais, mais ça va être mes nièces. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je pense pas que ça ferait quoi que ce soit ça. Si, ça ferait un pacte de non-agression. Mais les intérêts politiques font qu'il est pas d'accord. Non, il veut pas. Donc on a combien de troupes? On a quand même 17 000 troupes, hein. Ça commence à être pas dégueulasse. Bon, faut dire que, à force de s'étaler un peu partout, forcément, la menace est à 6,3%. La rumeur avec votre neveu admire la splendeur de son tuteur. Goubert est dans une avant de véritable culture occitane. Ouais, j'ai fait une grosse erreur avec elle. Mon cher me dit que Cyril, l'un de mes commandants, s'est nettement amélioré. Il est devenu commandant du centre. C'est cool. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là, franchement. N'importe quoi. Prendre en tuteur de la cour quelqu'un d'origine occitane, mais j'ai rien compris moi encore. Enfin bon, maintenant que c'est fait, quand le personnage mourra, on va essayer de remettre tout ça à plat.
Bon, on a plus de rougeur irritante. Donc bah, ça nous fait un personnage pas dégueulasse hein, quand même. Hein. Il continue à y avoir des héritages. Hop, c'est pas ça que je voulais voir, c'est plus là. Voir s'il y a des doubles ducs, duchesse, chef de révolte, qui est héritier du titre de duché de Bretagne. Alors voyons voir, parce que... Elle est quoi, duchesse de Bretagne? Duchesse de Bretagne, elle est héritée du titre de comté de Perche. Ouais. Et lui, il est héritier du titre de duché de Bretagne. Et il veut récupérer le duché de Haute-Bretagne. On va lui proposer de faire la paix pour pas encore que ça mélange. Bon, en tout cas, il accepte. Ride de révolte, il perd 100 de prestige. En plus, il se fait emprisonner. Ah, c'est violent quand même. J'aurais bien demandé de libérer un prisonnier, mais visiblement, c'est pas possible. D'accord, parce que lui du coup... Hop. Pas mal de duchesses quand même. Hein. Les temps sont durs, mon fils Roland a eu d'étranges rougeurs irritantes et des épisodes de délire ces dernières semaines. Je vais vous informer que son affliction est la fièvre des camps. On va faire tout de suite venir le physicien de la cour. Ah oui, bah oui, là, c'est un peu le bordel là-bas. Hein. Ah, la guerre djihadique pour l'Aragon. C'est intéressant ça. C'est intéressant dans le sens où... Question, est-ce que je peux lui déclarer la guerre? C'est de la dispute frontalière. On va essayer vite de faire des revendications. Qui c'est qu'on aurait qui est meilleur quand même? Parce que toi c'était pour voter, mais maintenant que le vote est fini, on va prendre lui. Voilà. Et on va aller faire des revendications en Anjou. Parce que selon la situation qui se dégagera pendant cette petite croisade, si jamais ils se font bien éclater, je pourrais peut-être en profiter pour récupérer du territoire. Alors c'est pas fait, hein, mais il faut savoir être prévoyant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'ai un nouvel héritier. Ah bah mon fils est mort alors. Eh oui, il est mort de la fièvre des camps à l'âge de 33 ans. Ok. Bah, j'espère que le gamin... Oh, il est lent. Aïe, 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 ça commence bien, tiens. Ah non, pas lui, putain. Non, pas lent. Ouais. Bah, ce qui devait arriver arriva. Hein. J'aurais préféré de jouer lui quand même. Elle a pas d'autres enfants, en même temps elle est entêtée. Enfin, ça, c'est pas très grave encore. Mais... Bon, bah, si on meurt, et c'est bien possible que ça arrive, on jouera un enfant. Donc on va avoir une longue période de régence. Pardon. Et derrière ça... Et puis bah ouais, derrière ça, du coup, on a un personnage qui est lent. Donc déjà, ça va mal commencer pour lui. Il est où, lui? Il est comte de Kent. Ouais, il a toujours le même tuteur, du coup. Bah non, il a plus le même tuteur, non. Bon, cela dit, il a un normand, mais il est nul, hein. Oh là là. Pff. Où suis-je qui sont chez ces gens? Et voilà, on devient incapable. Bon bah, ça va être la fin, hein. Ça va être la fin du roi Roland le Confesseur de Normandie. Malheureusement. Prince évêque de Nain a créé le titre d'Uram. C'est quoi ça? Durham? Titre titulaire. Ah bah, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un évêché princier. Ça, c'est un évêché princier. Ah ouais.
D'accord. De toute façon, j'imagine que je peux rien faire contre ça. Et du coup, il s'est créé un titre. Ouais, je sais pas ce que ça fait de se créer des titres comme ça. Bon, bah écoutez. Pourquoi pas? Ouais, notre chien de chasse est mort. Il mérite des funérailles digne de ce nom, on va dire. Et puis bon, on va pas tarder de le suivre, hein, je vous rassure. Ouais, donc j'aurais bien mis un autre tuteur, mais... Ouais, on va changer son tuteur, mais à mon avis... Ouais, je pense qu'on peut même pas, parce que son éducateur, il est là. Si, c'est bon. Mais bon, ça sert un peu à rien, quoi. J'ai réussi la mission d'acheter le temple en falaise. L'évêché de falaise, ouais, c'est plutôt marrant. Je l'aurais pas situé là, mais bref. On devient honnête, bah, de toute façon, on peut devenir tout ce que vous voulez, mais bon. Hein. Ah oui, oui, non, mais je veux pas garder ça, moi, effectivement. Hop. Hop, pardon, on va faire ça. Et voilà. Un vassal qui va bien. Ouais, en fait, ça va être très un peu chiant cette famille là. Toi, on va te révoquer le titre. Parce que, en fait, comme il est de la même famille que eux là, tout le bordel que j'avais fait, c'était la sœur de elle, là, enfin le frère d'elle. Bah du coup s'il meurt ça va repasser sous eux, qui vont devenir tout, ça va passer au Saint-Empire. De toute façon sur la fin de notre vie on en a un peu rien à foutre de qui, à qui le donner on va dire hein, honnêtement. Donc on va donner ça à... Voilà 52 ans c'est un peu vieux quand même. Thomas d'Auvergne, eh ben ouais bon t'es français mais c'est pas très grave. Ouais, vous savez quoi, on va même le garder, allez, on s'en fiche. Constance. On va tirer en érudition, c'est très bien. Et complot, on s'en fout. On va proposer aux gens de racheter... un peu d'argent. On va claquer un peu notre fric pour essayer de faire en sorte que les gens nous réapprécient. Voilà. Où est-ce qu'il en est de sa guerre, lui? Il a encore 18 000 troupes. Pour moi, il gagne. Hein. Bon. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, du coup. Nous allons voir ça. Demandez au pape de vous accorder une revendication sur le titre. Ah ouais, c'est cool ça. J'ai jamais fait, alors je vais le faire. Bon, c'est un... ça fait que... Le duc Botolf a arrêté un homme, on recommence. Oui donc, au tempérament calme, pèlerin, tu es béni, je vous demande, la revendication a été acceptée. Du coup, j'ai une revendication sur le comté de Lothian. D'accord. Bah du coup, on va... Tant qu'on est encore vivant, et si on tient jusqu'à là, essayer de... Ah non, bah lui, je peux pas, je suis encore en trêve. Pff, ça, ouais, ça coûte très cher en prestige, hein, punaise. Toi, là. Poser une vassalisation, je ne peux pas, parce qu'il est en guerre, visiblement. Par contre, ouais, c'est peut-être un peu tard pour moi de faire cette guerre-là, parce que j'ai l'impression qu'ils vont déjà être absorbés par les Norvégiens. On a la grippe. Oui, bah, de toute façon, pour en on va mourir. Il nous
vous fait boire de l'eau salée pour provoquer un vomissement. C'est toujours sympa. Ouais, bon, le seigneur de Norvège, il y a clairement moyen de... Mais ouais, là, alors ça a marché, c'est cool, hein, mais à mon avis, je pourrais rien en faire. Ouais, bon. Comme on est brave, on lui demande de faire un truc expérimental. Au point où on en est, il nous a remis une assiette sur laquelle se trouve une substance poudreuse grise. Apparemment, il s'agit de croûte moulue d'une personne dans un état pire que nous. Super. Le comte ne semble pas plaisanter à ce qu'il vous dit de pencher au-dessus et d'en y aller autant que possible. Mauvais traitement terrible. Tu m'étonnes. Bon, bah là, entre la grippe, l'incapacité... l'incapacité moins 3, la grippe moins 2... Mauvais traitement, moins 3. Non, mais là, normalement, ça y est, il est mort. Enfin, j'imagine même pas le pourcentage que ça, de chances que sa mort arrive. Allez, il va être temps, mon bonhomme. Ça y est, voilà. C'est fait. Il a rendu l'âme, il est mort dans un profond coma à 67 ans. Caractère charitable était connu de tous, donnant en effet volontiers de l'argent à ses proches. Un homme qui fit ainsi preuve de dévotion et qui rejoint la Vierge Marie à présent. Bon, je pense pas qu'on deviendra saint pour autant. Le roi Roland... Deux, du coup, à peine âgé 4 ans, lui succède. Le pays est laissé entre les mains d'un régent et du conseil. Longue vie à Roland II, désormais notre roi. Ouais, ça va être un peu plus... Ouais, c'est prétendant, ça, mais... ça va être compliqué. Hein. Et en cas de décès, ce sera une de ses sœurs qui récupérera. Ouais, donc là, bien évidemment. Alors déjà, on est anglais. Alors ça, c'est pour un truc qui me plaît pas du tout. Ok... regardons le conseil. Pardon, je vais trop vite là, j'accélère à fond. L'intendance. Alors même si je mets pas les meilleurs, faut que je regarde ceux qui ont un point rouge. Ouais, donc lui par exemple, le duc d'Hampshire. Hop, on va le mettre maître espion. Voilà. Et à l'intendance, on va mettre bah, notre tuteur. Donc améliorer le domaine, ouais. Percevoir l'impôt, non, c'est pas bien nécessaire. Rechercher des progrès, oui. Étudier, on va l'envoyer étudier les technologies, lui. Toujours au même endroit, hein. Alors je sais toujours pas si c'est bien ou pas de faire ça, mais... Ah oui, donc c'est... Ok, donc pardon. Voilà. Oui, pardon, je vérifie si c'était le roi de France ou pas qui était là-bas, mais non, non, toujours pas. Lui, il fabrique toujours des revendications, même si je pense que ça sert à rien. Donc non, le maître espion, ça s'est pas fait. Ouais, donc je continue de l'envoyer là-bas, hein. Je sais toujours pas si c'est bien ou pas, mais... J'avais vu ça dans une vidéo de Jazz, je crois, au tout début, quand j'avais appris à jouer, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai toujours laissé ça, en me disant, bon, c'est sûrement ce qu'il faut faire. Voilà, sans grande garantie. Le sénéchal, ce sera le Earl de Rouen. Alors, en plus, c'est chiant, tout le monde va s'appeler Earl de machin, de quelque chose. Sauf que pour adopter la culture, il faut un prestige de 500 et tout le prestige, on l'a perdu. C'est bien dommage. En conseiller, on pourrait prendre. Ça sert un peu à rien, les conseillers, c'est chiant. Ouais, on a des gens qui nous aimeraient pas en plus. On va utiliser un peu d'argent pour faire en sorte qu'ils nous aiment mieux, les gens qui nous aiment pas trop, qui sont importants et qui ont des gros moins surtout. Bref. On va prendre la duchesse de Haute-Bretagne, allez hop, c'est pas grave. Au niveau des commandants, toi... Oh bah toi avec ton œil de pirate, c'est obligé. Rien pour le fun, bah toi... Et toi ? Les lois, on en a pas, on en veut pas. Les technologies, on en a pas, on en veut pas. Les troupes, ouais, bah les troupes, bah oui, ça s'est un peu calmé, hein, ça c'est sûr. Du coup, va falloir que je donne le comté du Maine à quelqu'un. Il est hérité du titre de comté de Cuenca, lui. D'accord. Ah oui, ouais, t'es héritier de ça là-bas. Ouais, donc toi tu vas finir par me quitter à un moment ou à un autre. Ouais, ok. Donc c'est pas à toi que je vais le donner. Bon, on va faire venir quelqu'un, on va lui donner à lui et puis il va se démerder. On va promouvoir un commandant. Ouais, un anglais forcément, on fait chier mais bon. Euh,
Le comté du Middlesex. Allez. Voilà, comme ça déjà on n'a plus de malus, le conseil est insatisfait. On va établir la couronne à Caen, comme toujours. On va perdre des titres lors de la succession. Parce que... Bah oui, parce que primogéniture. Ah ouais, t'as pas intérêt à crever toi, hein, parce que sinon la partie elle est morte. Hein. Autant le dire, ouais, ça sera compliqué. Faudra regarder les personnes. Bon, le temps que le temps passe, on va regarder un peu les femmes non mariées, etc., etc. Donc non mariées, adultes, non. Attends, on va initialiser. Voilà. Femmes, adultes, non. Mon groupe culturel, mon groupe religieux, enfin mon groupe culturel, autre culture, je m'en fous encore. La reine de Castille. Elle préférait un mariage maître linéaire. Bah oui, elle va pas dire non, hein, ça c'est sûr. Hein. Je suis trop jeune. Ouais, et puis c'est surtout ça, c'est dommage, hein, malheureusement, mais... Et puis elle, ouais, si elle meurt, son héritier, ouais, c'est vraiment rien à voir avec sa famille, bien évidemment. Dommage. La duchesse du Somerset, c'est à nous, ça. Hein. Ouais, ouf. Duchesse des Illégers. Ouais, alors j'ai pas forcément envie de récupérer ça. Hein. Duchesse de Cornouailles. Ouais, encore qu'on aurait pu récupérer ça. Et ben... Ouais, on va faire ça. Allez, comme ça, si on peut récupérer ça par là... Sans la paix, ben écoutez, sera sans la guerre, pardon, ce sera pas mal. Bon, il n'y a plus qu'à avancer le temps. Alors, il y a des alliances qui se forgent. Par contre, j'ai vu quoi ? La duchesse de Warwick cherche à nous tuer. C'est bien ça. J'espère qu'elle a aussitôt arrêté parce que... je suis un peu perdu, je ne sais plus où est Warwick. Ah, ça c'est bien, voilà, ça c'est cool, c'est au moins la bonne nouvelle. Donc Roland, l'ancien roi de notre ancien personnage, est devenu un saint. Voilà, une grande cérémonie est finalement tenue en son honneur par le pape. C'est un exemple de vrai catholique qui a inscrit le pape parmi les chrétiens du passé. Que son nom soit béni, on gagne 250 de piété. Bah ouais, du coup on est membre de la famille saint, donc on aura un bonus. Et du coup, ah bon, ça crée pas un truc dans la lignée, ça. Moi, j'y comprends rien. Bah. Bah attendez, je comprends pas là. Ah attendez, peut-être c'était... J'ai pas fait lecture aussi moi. Oh, je suis con, j'avais pas fait lecture. J'espère que c'est ça hein, parce que... Sinon je comprends plus rien là. Bah non. On nous a bien dit qu'il y avait un saint. Bah alors là, je comprends plus rien.
Franchement, là je piche pas. Il est mort en 1089, ouais, bah c'était bien marqué que c'était un 5, quoi. Alors pourquoi ça l'a pas rajouté? Franchement, là, il y a des trucs que je comprends pas, ça me gonfle. Hein. Enfin, c'est, on a un super événement, et tout ça pour se prendre derrière, hein. Ouais, mais non. Membre de la famille Fessin. Bah voilà, c'est bien marqué. Il y a une cérémonie, et derrière, il n'est pas là. Ce que je vais faire, hop là, je vais faire tout de suite une, je vais prendre de côté les sauvegardes, de si c'est pas trop tard, de les sauvegardes auto. J'essaierai de recharger entre deux épisodes et refaire l'événement pour voir si c'est un bug ou pas, parce que franchement, je trouve ça très con. Ça très très con. Et puis ce que je vais faire, je vais arrêter l'épisode ici. Ce sera un épisode plus court aujourd'hui. Justement parce que voilà, si je me dis que si jamais j'ai encore la sauvegarde et que c'était un bug, je la rechargerai peut-être et referai des tests. Parce que bon, voilà quoi, je trouve ça vraiment limite quoi. Bon, honnêtement, bon, c'est. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous laisse pour cet épisode qui sera un peu plus court que les autres. Ça peut-être ça plaira à certains, peut-être moins. C'est un épisode un peu bizarre, je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais sûrement l'appeler l'épisode bizarre. Je sais pas, non, j'en sais rien. Et puis je vous tiens au courant dès le prochain épisode de voir un petit peu si c'était un bug ou pas, voir un peu où on en est, ce qu'il en est. Parce que là, on a clairement pas de lignée, alors que normalement, si j'ai bien compris, on devrait en avoir une. Puis il apparaît pas. Donc là, c'est un grand mystère que je ne comprends pas. Parce que les saints sont censés apparaître ici. Surtout que je regarde les dates des morts. Il y en a qui sont morts depuis quand même assez longtemps. Ils sont toujours là, ils disparaissent pas. Enfin, ouais, j'ai pas compris. Bon, allez, on se tient au courant. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis au prochain épisode qui, j'espère, sera beaucoup mieux que celui-là. Parce que pour le 30e, je trouve que c'était un des plus mauvais. Mais c'est comme ça. C'est le jeu. On peut pas toujours être à fond. Allez, salut à toutes et à tous. Portez-vous bien. Merci.